prends un autre. Tenez mon cher Stéphane. Alors là, chaussez-vous. Là je pense que c'est top confort là. Ah bah attends. Ouais. La maison, je t'ai dit, ne recule devant aucun sacrifice. Laurent, il faut que tu le regardes là, hein, parce attends. Que là je pense que ça vaut la photo. Si je coupe ma lampe, c'est pas Allez. Ah, c'est impeccable. Plus de lumière. Attends, c'est juste qu'il veut pas. Mais il l'apprend en fait. Il l'apprend hein. En fait. Ah merde, ouais, je suis désolé, je connais pas du tout les smartphones, voilà, c'est un peu la honte. Il l'a prise, t'en as 3 ou 4 là. Ok. Merci beaucoup. De rien. Désolé, c'est un peu laborieux. Non, mais je t'en prie. De toute façon, ils nous ont pas donné le téléphone le plus pratique, on en parlait avec hier. Le plaisir de faire un direct d'ici. Je te remercie de nous avoir accueillis. Eh bien, c'est avec grand plaisir. Voilà. J'étais grand écouteur de France Inter pendant des années. Voilà, c'est France Info, mais c'est la même, oui, c'est la même maison. La même maison, ouais. Alors, c'est étonnant parce que ce que vous disiez tout à l'heure, quand on est venu à Rennes-le-Château, on y revient. Moi, j'étais venu faire un reportage. Cohabite, enfin, c'est parce que je le vois de l'extérieur, sûrement, je ne vois pas tous les conflits qu'il peut y avoir, mais je trouve que ça cohabite pas si mal que ça. Hein. Moi, je trouve bien qu'il y ait des gens qui aient des démarches très différentes, qui puissent se rencontrer dans un lieu. Moi, je trouve ça bien. Enfin, que c'est... Camarade, est-ce que... Merci. Ah, voilà. Nous sommes bien là. Studio Info. Bonjour, c'est Stéphane Iglesis et Laurent Brou. Nous sommes donc du côté de Bugarrache, entre Bugarrache et Rennes-le-Château. Oui, c'est ça pour le 20h10, le QR. Oui. Ah ben 20h15 alors peut-être, oui. Bon. Voilà, d'accord. Eh ben, ouais, parfait, c'est nickel. Tu veux qu'on te décrive l'installation? Tu veux qu'on te décrive l'installation? Il n'a pas compris. Eh ben, écoute, on est chez Urani, qui vit dans un habitat alternatif à côté de Rennes-le-Château. On a la mini-sat, on est dehors avec... Le Nagra et l'antenne SAT posées sur du bois et sur une petite table de camping et en plein vent. Mais c'est vraiment étonnant. On va vous envoyer la photo tout à l'heure parce que c'est vraiment étonnant. Dans le noir. Ah, je te jure que c'est vachement sympa. Il n'y a même pas de lune. On est juste en dessous du ciel. En plus, la pluie a eu la gentillesse de s'arrêter. Donc on fait une petite prière pour qu'elle ne reprenne pas avant 20h15. Ce serait bien. Ah ouais. Ouais. Bah oui, forcément. Tu peux l'éteindre parce que c'est dans 10 minutes, hein, finalement. C'est à 15. Ok. Hop. La marque des gens qui ont un ego surdimensionné et qui fait qu'ils peuvent avoir ce genre de carrière, ils aiment qu'on leur dise. Donc je pense que c'est quand même important dans sa carrière qu'on lui dise qu'on l'aime. Après, qu'est-ce qu'il en fera? Est-ce qu'il se présentera à la mairie ou pas avec? C'est autre chose, mais vous avez parfaitement raison. Bonjour, c'est Philippe Vandel. Cela fait des années que je note tout ce qui me surprend et je me demande pourquoi. Pourquoi croit-on que passer sous une échelle porte malheur? Pourquoi le noir amincit-il la silhouette? Pourquoi y a-t-il 60 minutes dans une heure? Pour la première fois, les réponses sont en images dans un livre. Dans les Pourquoi en images, toutes ces questions prennent vie grâce aux illustrations de Cathy Carcenti. Les Pourquoi en images de Philippe Vandel,
un livre France Info. 20h15 sur France Info. Bonsoir Olivier de la Garde. Alors l'ambiance, elle est d'abord pluvieuse aujourd'hui et beaucoup moins festive que prévu. Les habitants du village se sont claquemurés chez eux, non pas pour se protéger de la fin du monde, mais surtout des journalistes. Il y a en fait dans ce village de 198 habitants, 260 journalistes et plus de 200 gendarmes et pompiers au moins. D'ailleurs, les visiteurs venus d'ailleurs, comprenez, qui ne sont pas du village de Bugarache, sont déçus par ces rues désertes, le manque de buvettes, pas de dernier verre pour la route vers le ciel et le fait que le soi-disant pic sacré soit surtout interdit d'accès par les autorités. Ils se consolent en se disant que peut-être d'ici demain il se passera quelque chose. La cohorte de journalistes a déjà compris, elle, que le vide intersidéral n'était pas pour demain, mais qu'il était déjà là, Olivier. Alors n'oubliez pas, Olivier, que nous sommes ici dans une espèce de triangle magique, pour les amateurs de mystère en tout cas. À moins de 30 km à la ronde, vous avez Rennes-le-Château et le supposé trésor de l'abbé Saunière, toujours espéré et jamais retrouvé. Il y a même le trésor des Visigoths qu'on continue à chercher. Dans le même ordre d'idées, le trésor des Templiers n'a lui non plus jamais été découvert, si tant est qu'il existe. Nous sommes à deux pas du château de Quiribus, notamment, les châteaux cathares. Il y a aussi, disent certains adeptes de l'ésotérisme rencontrés par une universitaire toulousaine, des soldats allemands qui, pendant la dernière guerre, se seraient venus chercher le Saint Graal, vous savez, ce vase sacré qui contenait le sang du Christ et qui aurait été caché, mais oui, dans la montagne sacrée, dans le pic de Bugarache. Je passe sous silence, ou très vite en tout cas, sur les ufologues, les adeptes des rencontres du troisième type, qui affirment qu'une civilisation lointaine serait venue il y a des milliers d'années enterrer ses morts et cacher ses secrets dans cette montagne, et qu'ils attendraient tranquillement une soucoupe venue de l'espace pour les dépanner, pour dépanner en tout cas celle qui restait à l'intérieur de la montagne, Olivier. Ah, le dispositif, je peux vous le certifier, est étanche. Il y a des gendarmes en hélicoptère, à pied, des gendarmes spéléologues, il y a des gendarmes à moto qui sillonnent les chemins, sans oublier les chevaux de la garde républicaine. Et il y a même eu d'ailleurs 5 personnes qui ont été interpellées sur le pic aujourd'hui, 2 rave-parties annulées, quelques groupes refoulés, et en tout cas, aucun civil, ça je vous l'atteste, non autorisé, ne peut poser un pied sur le fameux pic. De toute façon, la météo apocalyptique en a découragé plus d'un aujourd'hui, pour le plus grand bonheur des services de sécurité, Olivier. Eh oui, et je penserai à vous, hein, Olivier, en reconstruisant l'humanité nouvelle. Merci les amis. À demain. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, hein. Merci de votre aide.
Oui. Tu crois que tu pourras nous ramener à l'ESP? Oui. C'est dommage que nous, qu'on ait une bétaillère à deux, hein, avec la... Et du coup, oui, vous avez eu une réponse.